Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je vais continuer les assemblages sur l'assemblage à queue droite. Donc là, j'avais déjà fait l'assemblage à queue droite à la scie. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description juste en dessous. Cette semaine, on va faire l'assemblage à queue droite avec l'usinage à la défonceuse. Allez, on y va. Bien, alors pour cet usinage, je vais déjà créer un croquis, je vais prendre toutes mes côtes, je récupère du parquet, ça sera une planche de guidage, vous verrez, et j'ai quelques contreplaqués pour faire la fabrication de ce montage. Allez, je fais un petit croquis et après on usine ensemble. Bien, donc je vais prendre quelques côtes. Bon, là, ce qui est bien, moi, c'est que la fraise peut sortir d'un peu plus de 20 mm. Qui fait que là je pourrais usiner des planches maxi de 20, ça me suffit entièrement pour ce que je souhaite faire. On va utiliser avec la fraise de 8 mm et ici ça viendra pour faire mon guide. Donc moi je vais réutiliser mes systèmes de fixation, mes trous pour fixer l'ensemble. Alors maintenant je vais faire un petit croquis rapidement et prendre quelques côtes. Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu voir, c'est collé. Alors, petite erreur, j'ai pas dû faire gaffe. Lorsque je suis venu coller l'ensemble, j'ai dû me décaler un tout petit peu. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'aurais pu avoir du jeu comme ça. Donc, si vous regardez bien, ce système-là va venir coulisser, comme ceci. Et bien sûr, si j'ai quelques millimètres ici en haut, ben, je vais me retrouver avec un angle important ici. Bon, là je l'ai déjà rectifié, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de jeu, mais c'est pour vous faire voir. Bah, tout simplement, je suis venu rectifier avec mon chariot de coupe juste ici, et dedans, des petites cartes, hein. Bref, souvent des petites cartes en plastique. Je vais venir mettre une carte de chaque côté, coller, je vais insérer mon système dedans. Qui fait que ça devient un peu plus serrant. Et voilà. Et maintenant, j'ai mon système qui coulisse
parfaitement dedans, sans jeu. Alors c'est pas si dur que ça, hein, c'est parce que là je suis obligé de tenir les pièces, mais vous voyez, sans jeu, il va bien coulisser dedans, ce qui fait que je n'ai plus de décalage ici au bout. Bon, moi je vais avoir la fraise ici quelque part, hein, mais c'est pour vous faire voir dans l'exemple, je n'ai plus du tout de décalage. Allez, je continue, je colle ça, on installe l'ensemble. Eh bien les amis, j'ai bien galéré là. Waouh, quand on sort de sa zone de confort, c'est pas évident. Alors, j'avais fait ce système ici. Vous verrez dans la vidéo, hein, je vais tout vous faire voir. Je venais insérer deux pièces plastiques qui me permettaient d'avoir un ajustement serrant au niveau du guide ici. Le problème, c'est que le guide n'est pas assez long en termes de guidage. Il faudrait que j'aie une grande table de guidage. Pourquoi? Pour qu'ici, je n'ai plus ce phénomène d'angle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, moi, quelque chose de tout simple, une lumière ici au milieu. J'ai toujours une partie ici qui guide aussi. Et j'ai enlevé le côté ici. Ce qui fait que là, maintenant, je suis moins rigide de ce côté-ci. Et tout simplement, j'ai rajouté un autre point ici devant. Ce qui fait que j'ai le système de coulissement qui marche super bien. Et je n'ai plus ce problème d'angle. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ce qui se passe, c'est que si jamais j'avais toujours eu ce système de ça se décale à droite, ça se décale à gauche, bah, ma rainure ne serait pas bonne. Elle aurait été plus ou moins usinée. Eh bien, quelle galère! Allez-y dans les commentaires pour voir un peu si vous avez d'autres solutions. Là, moi, j'ai mis un plot ici que je viendrai fixer à chaque fois. Ce qui me permet aussi de faire un petit réglage suivant l'usure. Si je le desserre, et par exemple, je le mets un peu plus loin, ben là, automatiquement, j'ai toujours mon guidage qui est assuré par ces deux rainures. Donc, quelle que soit la largeur de la rainure que vous avez entre les deux, ben moi, ça y est, je règle le problème. J'ai un point ici, j'ai un point ici. Je m'en fiche, du coup, de la largeur qu'il y a entre les deux. Ce qui fait que c'est juste mes deux lumière ici qui me sert de guide. Et là, ça marche super bien. Allez, on continue.
Bien, ça y est, le mécanisme est enfin terminé. Donc vous voyez, ça coulisse super bien. Donc on arrive, je serai ici. Je prendrai, par exemple, une plaque et je viendrai faire tous mes usinages. Donc là, encore une chose à faire, bien sûr. On va venir usiner la première empreinte qui est ici. Ensuite, la deuxième qui sera décalée du double de la valeur du diamètre de la fraise. Ça, j'avais déjà expliqué pour ceux qui ont raté encore cette vidéo sur les tenons à la lame de scie. C'est exactement le même principe. Sauf qu'ici, ce que j'ai réalisé, donc vous avez vu, ça se démonte. Hein. Ce que j'ai réalisé ici, c'est que moi, je suis venu mettre une butée. Donc vous voyez, j'ai une petite vis ici qui vient me servir de butée. Comme ça, quand j'arrive, je viens mettre mon système, il vient embuter contre, je viendrai le serrer, et là, je pourrai faire tous ces usinages. Comme ça, ça me permettra de réajuster l'ensemble petit à petit, suivant ce que je vais obtenir tout à l'heure. Allez, on continue, on fait les deux empreintes ici, et on regarde pour faire le premier essai, et je vous retrouve juste après. Bien, ça y est, les tests en étant terminés. Donc, vous avez vu, j'ai réalisé d'abord deux petits usinages ici. Donc, je suis venu avec mon repère regarder. Je suis venu l'insérer. Et là, coup de bol, ça marche du premier coup. Génial. Mais je vous explique quand même. Alors, ici, je suis arrivé, j'ai réalisé les deux. J'ai regardé, ça y est, c'est bon, ça rentre super bien. Donc, ma vis ici de réglage me permet de translater mon système de la droite ou de la gauche. Eh bien, tout simplement, si dans mon système, c'est trop serré, je n'arrive pas à rentrer les plots, je me rapproche de la fraise. Si au contraire, il y a trop de jeu, je m'écarte de la fraise. Donc, ce qui fait que mon système ici, moi, est toujours réglable. Pourquoi il est réglable? Donc, ça coule super bien, très bien. Je l'ai choisi réglable parce que moi, je le démonte et je le remonte. Je ne suis pas sûr de la position arrière ici. Ce qui fait que quand je serre, je ferai toujours un premier test comme ceci. Et du coup, je verrai si tout ceci est bien monté. Ensuite, j'ai réalisé un essai complet. Où là, vous avez vu, j'ai pu faire l'usinage de chaque cran. Je suis arrivé, j'ai terminé mon usinage, et vous voyez, ça rentre super bien. Et du coup, j'ai bien ici mon assemblage à queue droite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais le plus important en ce moment, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!